Communication de Choi son ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Les États-Unis, qui précipitent à tout prix la sécurité du continent européen dans une situation de guerre par les manœuvres par étapes de l'OTAN de nature illégale, tentent maintenant à commettre un crime anti-humain visant à porter atteinte même aux habitants tout innocents. Le 7 dernier, le président américain a publié une décision préoccupante d'offrir les bombes à billes à l'Ukraine, ce qui bouleverse le monde. En fait, la bombe à billes étant reconnue comme une très dangereuse arme d'extermination massive, son usage est interdite à l'échelle internationale et, à l'heure qu'il est, ne cesse point les dégâts dus aux bombes à billes larguées partout dans le monde par les troupiers américains. La décision des États-Unis sur l'offre à l'Ukraine de telles armes meurtrières est un choix très périlleux, ce qui dévoile librement une fois de plus la nature du perturbateur de la paix qui prend l'agression et le meurtre pour politique d'État et mode d'existence. Ce n'est jamais absurde que même le secrétaire général de l'ONU s'est immédiatement opposé au choix américain et que la communauté internationale la dénonce avec véhémence. À propos de la dernière mesure, le président américain a avoué que c'était une décision difficile. Cela montre clairement de nouveau, devant le monde, l'effronterie des États-Unis, qui, en tant qu'État criminel de guerre hors pair et vêteur des armes d'extermination massive, méprisent même la vie des civils tout innocents pour maintenir leur hégémonie, quoiqu'ils sachent bien que l'offre des bombes à billes causeront des conséquences désastreuses. Si les États-Unis finissent par introduire à la guerre d'Ukraine les armes d'extermination massive que même les pays satellites craignent, il faut se préparer aux conséquences catastrophiques inimaginables. La réalité montre clairement que les États-Unis sont l'auteur qui pérennise intentionnellement la crise de l'Ukraine et l'ennemi redoutable de l'humanité préjudiciant à la paix et à la sécurité du monde. Sur le mandat, au nom du gouvernement de notre république, je condamne catégoriquement la décision américaine comme un crime périlleux visant à précipiter le monde au nouveau ravage avant de réclamer vertement son retrait immédiat. Cette décision américaine ne peut jamais fléchir l'esprit inflexible de l'armée russe décidée à défendre la dignité et la souveraineté de son pays, mais par contre renforcera davantage la volonté anti-américaine du peuple russe. Convaincu que la Russie va surmonter courageusement toutes les épreuves et difficultés et remporter infailliblement la victoire finale, le gouvernement de notre République et tout notre peuple formulent une fois de plus soutien et solidarité ferme à la juste cause du peuple russe. le 11 juillet de l'an 112 du Juche 2023.